Mon parcours, c'est d'abord une histoire de rencontre de grands avocats pénalistes, Jacques Vergès, qui m'a donné envie de m'inscrire en droit parce que j'avais lu ses livres, puis ensuite Olivier Metzner, qui était spécialisé en pénal des affaires, peut-être le premier pénaliste en droit pénal des affaires à Paris, avec qui j'ai travaillé avant sa disparition. Voilà. Et puis très rapidement, comme eux deux s'étaient mis très tôt, exclusivement à leur compte, je me suis mis moi aussi à mon compte en me spécialisant eh bien, dans la cause des lanceurs d'alerte. Là encore, par le hasard des dossiers et des rencontres. Il faut s'écouter. Il faut faire un métier qui vous plaît pour ne pas avoir l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Et pour ça, pour essayer de ne pas vous tromper, il faut avoir des expériences professionnelles. C'est-à-dire que tous les étés universitaires qui sont en général longs, bien, il faut en profiter selon moi pour faire des stages. Un stage tout l'été, un deuxième. Multiplier les expériences dans des domaines, dans des spécialités aussi variées que possible. Aussi bien en entreprise, c'est intéressant de savoir ce que c'est qu'un juriste d'entreprise, que dans des cabinets d'avocats, aussi bien dans des fusions-acquisitions, que dans du contentieux ou du pénal, voire même du droit de la famille. Et puis, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, faut procéder par élimination. Et puis, au bout du compte, vous trouverez toujours votre voie. Mais il faut vraiment vous écouter et pas insister pendant plusieurs années dans une voie ou dans un domaine si vous sentez que vous n'avez pas la force de travail, ou vous n'avez pas la passion, au bout du compte, qui vous motive. Moi, par exemple, ce qui m'anime dans mon quotidien, c'est de ne pas avoir une seule journée qui se ressemble. Et puis, c'est d'avoir cette possibilité de faire bouger les lignes, de voir que quand j'interviens dans un cas, eh bien ça change, on peut changer le destin des gens. C'est-à-dire qu'on accompagne une femme victime de violence. Bon, on obtient une ordonnance d'éloignement. Elle ne subit plus de violence de son conjoint. On accompagne un lanceur d'alerte, par exemple pour un médicament dangereux qui empoisonnait des milliers de patients, on fait tout pour que ce médicament soit écarté du marché. Eh bien, je pense qu'il faut se sentir utile. Voilà. Donc, vous pouvez très bien faire des fusions-acquisitions ou défendre la veuve et l'orphelin. Moi, en tout cas, l'équilibre, je l'ai trouvé en essayant d'accompagner bien toutes ces causes. Ça va du lanceur d'alerte aux femmes victimes de violences conjugales. Il y a une dominante pénale, évidemment, dans l'exercice de mon métier, parce que je plaide régulièrement devant toutes les juridictions de France. Mais ça ne m'empêche pas non plus de faire du conseil en fiscalité ou de dénoncer une fraude fiscale parce qu'un lanceur d'alerte est témoin à exercer dans une entreprise où l'employeur pratiquait la fraude fiscale et le blanchiment ou d'autres infractions pénales. Voilà, il faut vraiment essayer de faire fonctionner votre intuition et de toujours suivre vos envies. Parce que même si vous vous trompez, il ne faut surtout pas avoir peur de l'échec. Au moins, vous aurez suivi votre envie et vous ne vous en voudrez qu'à vous-même. Et tous les échecs, vous apprendrez toujours de tous vos échecs. D'abord pour ne pas les reproduire. Et puis, c'est une force incroyable pour réussir par la suite.